Nos sens, selon leurs capacités, nous permettent d'entrer en contact avec le monde matériel. Cependant, il y a une réalité au-delà du physique. La création de Dieu n'a pas débuté avec le monde que nous voyons. Il ne nous est pas possible de le détailler parce que nous disposons d'informations limitées selon la volonté du Seigneur. Cependant, nous savons que Dieu est esprit et le monde antérieur au nôtre est de nature spirituelle. C'est pour cela que nos sens ne peuvent le toucher. De même que Dieu qui est esprit entre en contact avec nous de manière surnaturelle, de même, il nous arrive de vivre des expériences surnaturelles par notre esprit. Aujourd'hui, nous parlerons des êtres spirituels et en particulier de Satan. Dans plusieurs passages de la Bible, nous pouvons lire l'expression « ange de l'Éternel » ou « ange tout simplement ». Ceux-ci sont classés selon un ordre hiérarchique qui nous est inconnu. Nous pouvons lire les chérubins, les séraphins, les archanges, les dominations, les autorités, les puissances, les trônes, les dignités, etc. Je ne suis pas sûr de les avoir tous cités, mais à vrai dire, les anges, car c'est leur nom en général, sont des êtres très beaux, glorieux et puissants. Ils ont tous été créés en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 16. L'un d'eux s'est démarqué par son orgueil, ce qui fut la cause de sa perte. Lisons ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escaboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ézéchiel chapitre 28 verset 13 à 18. Nous pouvons déjà savoir que Satan était un chérubin protecteur, certainement dans la garde rapprochée de Dieu. Il était donc très influent. Aussi était-il musicien et chantre. D'une grande beauté et couvert de toutes sortes de pierres précieuses, il était en honneur auprès de ses semblables. Puis, il a commencé à gagner des anges à sa cause par la conspiration et cela est allé jusqu'au combat. Des faits, il a été chassé, lui et tous ceux qui l'ont suivi, du ciel qui est le trône de Dieu. Nous avons un peu plus de détails dans ce texte. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15. Voici l'orgueil de Satan. Je. Moi. Il n'y en avait que pour lui. Et son but était de prendre la place de Dieu. Depuis qu'il a été chassé du ciel, qui est le trône de Dieu, il est en chute libre. Et sa fin, c'est l'étang de feu et de soufre qui ne s'éteint jamais. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude chapitre 1, les versets 5 à 6. Ainsi, il n'y a pas de possibilité de repentir pour Satan et ses anges. N'ayant aucune échappatoire, ils s'attellent nuit et jour à entraîner le maximum d'hommes avec eux en enfer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10 verset 10.